Est-ce que c'est vrai nous capables de parler en langue, journée aujourd'hui? C'est une question qui crée débat dans l'Église et même dans la société. Alors, plutôt que me bailler un avis personnel sur la question, ça, bam, appuyez plutôt de ça la Bible a dit. Il est clair que ça qui dit dans la Bible est unique. Ça me veut dire pas là. Cela veut dire que ça qui était écrit dans la Bible hier, ou du moins dans tant longtemps, yo toujours vaut, je veux dire, toujours gain même valeur, je veux dire. Parmi tous les versets qui parlent sur ça, on nous prend trois versets qui parlent sur causer parler en langue. Premier verset, nous jeunes lis dans Acte 2, verset 4, Paul dit: Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et deuxième verset, nous venons dans 1 Corinthiens 14, verset 18, Paul encore: Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Et troisième verset, nous venons dans Marc 16, verset 17. Jésus dit: Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront en langue nouvelle. Comme ça, nous regardons tout si nous sommes capables de répondre à trois questions qui parlent sous parler en langue. Première question que nous sommes capables de poser: à qui ça s'observe pour nous parler en langue? Eh bien, ça permet que vous exprimez pensée, cap sorti dans cœur. Ça mot pas mot que nous pas envie dit. OK, pas qu'à sorti dans corps humain, des mots cap sorti directement dans cœur. L'écho parler en langue. Donc ça permet que vous percer ou quitter dimension humaine là et que vous parler ensemble avec mon Dieu et démon. Diable, pas qu'à comprendre ce qu'on dit, parce que l'histoire est un mystère. Et deuxième question, tu es capable de poser: est-ce que c'est un bagage grave que je si ne pas arrivé à parler en langue? Et ma réponse c'est non, pas du tout. Tu ne pas arrivé à parler en langue, ce n'est pas grave. Ok? Tout reste parole, bon Dieu, important. Sauf que l'on parle en langue, là, c'est une âme que vous avez en plus. Dès que vous arrivez dans la dimension que vous parlez en langue, vous avez une âme en plus. Mais le fait que vous ne parlez pas en langue, ça va vous dire que vous pas chrétien. Vous troisième question que vous êtes capable de poser: est-ce que tout le monde peut parler en langue? Pas oublier, je parle de chrétien. Okay? Est-ce que tout le monde peut parler en langue? Si moi quoi et tendez ça Jésus dit, alors oui, nous tous n'êtes cabalés, tout le monde qui l'église cabalés. Sujet ça souvent un sujet qui tabou en dans l'église et moi trouve ça dommage. On pas facile de côté que gon étude qu'a fait sur ça, sur le fait de parler en langue qui s'allier pour parler de ça en détail. Pas facile de un sujet en dans l'église dans étude qui parlait sur ça. Il a toujours été un sujet tabou. Et j'en dis non, on me trouvait ça dommage, malheureusement. Parler en langue, non, il rejoint puissance dans la prière et il mène dans une dimension différente. Quand il y a une question, nous tout tapons. Comment vous êtes capable de parler en langue? Pas une formule magique dans ça, ok? Bah, nous pensons qu'il y a une formule magique pour un monde parler en langue. Ou simplement besoin de croire dans bon Dieu et puis demander bon Dieu ça. Et puis tout reste bagaille, il appartient avec Saint-Esprit et c'est Saint-Esprit qui a occupé de tout reste bagaille. Qu'a fait ce travail? Vous pouvez pas stresser,
parler en langue, non. Il va pas le faire de vous-même un meilleur chrétien. Et comme si ça qui est important, c'est remettre tête ou même je remets l'autre monde, partager temps, partager l'argent tout, ok, obéir avec bon Dieu, bail toute la vie ou avec Jésus. C'est ça qui c'est un vrai chrétien, ok. Mais pas d'avis que penser que waouh, regarde les gens que moi on a parlé en langue et puis même pas capable et puis pour trouver que ça a bon problème ou stressé. Non, non, non. Ensuite, il y a deux grâces qui ont besoin pour obliger à le chercher. Okay? À le chercher grâce à pour capable de vivre une expérience extraordinaire avec le créateur et sauveur.